Bonsoir à tous. C'est la dernière journée et c'est la dernière partie du live sur le thème « Je veux créer mon entreprise, comment je me lance, par où commencer ?» Donc, bonsoir Anissa, bonsoir Nivelle, bonsoir Jules, bonsoir tout le monde. Coucou Idil, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. On attend un petit peu que ça grimpe encore. Oui. Non. Oui. Donc voilà, bienvenue à tous. J'attends encore un petit peu. Je suis au travail, je me suis seulement cachée pour regarder. On commence. Ok Vanessa, bon écoute, on va commencer. Les gens vont nous prendre en cours de route. Donc bonsoir à tous, bienvenue au nouveau, parce que je vois de nouvelles têtes. Enfin, de nouvelles têtes, de nouveaux noms. Je m'appelle Esther. Coucou Idil. Je m'appelle Esther Fauté. Je suis entrepreneur, créatrice de Planugo, qui est un réseau social de voyageurs. Et j'ai fondé aussi Caïfra. Caïfra, qui est une agence de voyage, en fait, spécialisée dans tout ce qui est entrepreneuriat pour l'accompagnement des... Coucou Armel. Pour l'accompagnement des... j'ai perdu mon fil. Alors, Caïfra, oui, c'est pour l'accompagnement des personnes, en fait, les porteurs de projets qui veulent se lancer. Donc, j'accompagne les personnes qui, de manière que ce soit personnelle ou je fais de temps en temps des lives comme ça. Avec Caïfra, on organise des webinaires et des rencontres avec des experts dans leur domaine. Et on met aussi également en place ce que j'appelle des apéropreneurs, qui sont des afterwork autour du thème de l'entrepreneuriat, qui ont lieu le 3e jeudi à Paris et le 4e jeudi à Lille. Pour commencer, bon, on est en stand-by parce que c'est l'été et que c'est les vacances. Donc, ça va reprendre à partir de septembre. Bonjour, Noémie. Alors, cette semaine, j'ai décidé d'aborder tous les jours une petite partie. J'ai développé le thème « Je veux créer mon entreprise, comment je fais pour me lancer ?» Parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne savent pas par où commencer, qui ont des idées, qui m'écrivent « J'ai envie d'entreprendre, mais je ne sais pas comment, je n'ai pas de financement, je ne sais pas par où commencer, comment je fais pour contacter telle ou telle personne, comment je fais pour mettre ci ou ça en place ?» Donc, j'ai divisé en fait la thématique en 5 points et c'est les 5 points que j'ai énoncés chacun des jours de la semaine. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est vendredi, c'est le 5e jour. Et c'est le dernier point qu'on va aborder pour faire un petit récapitulatif. Lundi, on a parlé de ceux qui avaient plusieurs idées et qui avaient envie d'entreprendre, qui avaient plusieurs projets et qui ne savaient pas dans lequel entreprendre. Donc, je vous ai donné quelques astuces pour pouvoir avoir une vue sur ce que vous voulez mettre en place par rapport à toutes les idées que vous avez. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont eu à tester et ce que j'ai proposé toute la semaine et qui ont un retour même par rapport à un retour d'expérience, même par rapport à ce que j'ai partagé avec vous. Donc ça, c'était lundi. Mardi, on a parlé des personnes qui veulent lancer, qui ont un projet bien précis. Je vous ai donné quelques astuces pour mettre en place votre projet, mettre en place votre produit, votre service. Je vous ai montré comment le peaufiner, le tester, etc. pour être sûr que vous étiez sur la bonne voie. Mercredi, qu'est-ce qu'on a abordé ? On a abordé le business plan. On a abordé le business plan mercredi. On a abordé l'étude de marché. Je vous ai expliqué un petit peu comment on réalise une étude de marché. Je vous ai expliqué comment et à quoi sert le business plan et quelle était l'importance du business plan, en soulevant bien le fait que je n'étais pas très pro business plan. Je viens de me souvenir que j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais juste vous demander quelques minutes. J'ai oublié de partager la vidéo dans mon groupe privé. Je vais juste vous demander quelques petites minutes. Désolée. Est-ce que je vais y arriver? Bon, ok. Mon ordi bug. Alors, donc, mercredi, donc, on a parlé de ce qui est business plan et je vous ai dit, bon, moi, personnellement, que je n'étais pas trop pro business plan, que moi, j'étais plus business model. Et je vous ai expliqué quelle était la différence. Je vous ai dit que les startups et les nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux métiers, entre guillemets, aujourd'hui, ils ont plus un business model qu'un business plan parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau domaine, c'est un nouveau métier, entre guillemets. Donc, on n'a pas une vraie vue. On n'a pas une vraie vue de... C'est pas le ketchup derrière moi. C'est le truc de senteur, là.
C'est le truc de senteur. Coucou Fred. Voilà. En fait, je vous ai expliqué que voilà, pour les startups, c'est plus des business models que des business plans. Mais ça, c'est un avis personnel. Et je vous ai dit, si vous sentez de faire un business plan, faites-le. Ça vous permet également d'avoir une vue sur ce que vous voulez faire, et c'est plus ou moins, ça vous permet plus ou moins de rajuster votre projet et de ne pas trop sortir des limitations. Alors, je sais pas pourquoi mon Facebook bug, mais bon, ok, bon, c'est pas grave, je partagerai après. Dommage pour eux. Alors, hier, on a parlé de tout ce qui est visibilité sur les réseaux sociaux, et j'ai surtout insisté sur le fait de créer une page Facebook, de créer un compte Twitter, de publier sur LinkedIn. J'ai parlé du fait de s'associer avec des personnes, d'écrire des blogs. Bonjour Christy. D'écrire des blogs. Ah bah tiens, ça marche. C'est bon, mon Facebook s'est remis en place. On va y arriver. On va vraiment y arriver. Vous me donnez juste 2 secondes. Alors. Ah c'est bon, super. Ah, génial, c'est bon. Donc hier, j'ai parlé de l'importance d'avoir une page Facebook, d'être repéré. Et je vous ai dit, merci Christy. Et je vous ai dit que même si vous n'avez pas assez vous n'avez pas d'argent pour commencer, vous pouvez débuter forcément avec ce qui est gratuit, ce que vous avez comme outil en main, qui est les réseaux sociaux. Coucou Titi, comment tu vas? Ensuite, j'ai parlé de l'importance de se mettre avec des personnes. Je vous ai donné un exemple tout simplement, tout bête, en disant que moi, je vais m'associer avec Coucou Prunelle, bonjour à tout le monde, que je vais m'associer par exemple avec Bettina. J'ai parlé de Martine. N'hésitez pas si vous écrivez des articles, si vous êtes blogueur, si vous êtes etc., quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, n'hésitez pas à aller vers d'autres personnes qui font dans la même chose que vous. Et j'ai donné l'exemple du blogueur, en fait, qui va écrire un article sur moi, et moi je vais écrire un article sur lui. Ça va me permettre, moi, de toucher sa clientèle que je n'avais pas pouvoir toucher, et ça va le permettre à la personne de toucher ma clientèle qu'elle n'allait peut-être pas réussir à toucher. J'espère que tu es un peu déjà, parce qu'on me quête déjà m'a laissé au bureau. Non, mais au pire, Vanessa, retourne au boulot et puis tu regarderas en replay. Moi, je mets la vidéo, elle sera pas trop longue aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Elle sera pas très longue aujourd'hui. Non, mais tu pourras, va, retourne au boulot et puis fais ce que tu as à faire. Tu es quand même payé pour ça, fais ce que tu as à faire. Et la vidéo sera en replay en fait. La vidéo sera disponible en replay. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée et j'aimerais aborder 2 points avec vous. La visibilité et comment le contact client, comment entretenir et garder une relation constante avec ses clients. Et pour terminer, je vais parler de tout ce qui est accompagnement et essayer d'aborder le thème financement. Mais je suis désolée pour les personnes qui me suivent et qui ne sont pas en France. Je vais parler du financement, mais plus dans le cadre de la France. Je suis vraiment désolée. Et je vous ai dit, si vous avez des questions, vous serez libre de me les poser en privé ou en commentaire ou en inbox. Et puis moi, j'essaierai de vous répondre par rapport à ce qui se passe dans votre pays respectif. Donc, la relation cliente maintenir une relation cliente constante avec son client. Hier, quand on a parlé d'avoir les réseaux sociaux, je vous ai dit, notamment sur Twitter, que l'avantage, c'est que l'information est très vite relayée. Les choses vont très vite sur Twitter. On peut facilement toucher les gens, on peut facilement se faire connaître et on peut être très présent dans les esprits des gens. Je vous ai dit, bonjour Erika, je vous ai dit que en tant que, il faut vous faire connaître, il faut matraquer l'information et être constamment présent dans la tête des personnes qui vous suivent, que ce soit vos contacts Facebook, que ce soit juste les personnes qui suivent votre page. Moi, je vous ai donné mon exemple en vous disant que moi, au début, je publiais juste tout ce qui est en rapport avec les voyages. Quand je trouvais une offre qui était intéressante, je publiais. Quand je trouvais un article sur ce qui se passait dans un aéroport, je publiais. Quand il y avait un bon plan, je publiais. Je publiais, je publiais, je publiais. Et je cherche de temps en temps, et jusqu'à présent, ça m'arrive, je cherche les bons plans, les offres, les réductions, etc. Tout ce que j'ai, c'est pas forcément les partenariats que j'ai. Il y a beaucoup de choses que je fouille sur Internet. Et quand je trouve une offre intéressante, je me dis, ah tiens, ça, je vais venir publier sur mon Facebook, je vais venir publier sur Planigo, parce que il y a des potentielles personnes qui pourraient être intéressées par ça. Je vous ai demandé d'être dans l'esprit des gens comme étant un expert dans votre domaine.
Et en fait, le fait de développer une page Facebook ou un compte Twitter professionnel vous permettra d'avoir les personnes qui sont centrées et qui savent que si on veut des informations par rapport à votre produit, votre projet, on vient à tel endroit précis. Ça va éviter de fouiller et de chercher sur Internet. Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là au début. Je partageais trop et quasiment tout via mon profil Estaqueen. Mais vraiment, via mon profil Estaqueen. Et en fait, entre ma vie privée, entre ce qui se passe, entre les blagues, entre les articles, entre, les personnes étaient perdues. Les personnes étaient vraiment perdues. Il a fallu que je publie, que je crée, il a fallu que je crée la page Plan Hugo. Regardez par exemple, pour ceux qui me suivent, j'ai une page Esther Fautier. Ma page Esther Fautier, c'est où je publie mes pensées, mes événements, si je dois assister à un événement, si j'organise quelque chose. Parce que je me dis, à un moment, de toute façon, Facebook vous bloque les gens. Donc, vous pouvez pas accepter tout le monde. Et il y a aussi le domaine de la vie privée. Moi, j'aimerais des fois publier des choses qui sont personnelles et que je n'aimerais pas que des clients ou des prospects rencontrent, découvrent, en fait. Donc, le simple fait d'avoir une page professionnelle va permettre que les gens vous suivent sur votre page professionnelle. Moi, j'essaye de me faire connaître comme Esther Fautier, qui est mon vrai nom, et non Estaqueen, qui est mon petit nom, en fait. Estaqueen, qui est mon petit nom. Donc, pour revenir à ça, n'hésitez pas à personnaliser chacun de vos clients et à leur montrer que vous êtes présent auprès d'eux et que vous écoutez leurs besoins et leurs suggestions. Je fais un rappel sur ce que j'ai dit mardi. Je vous ai dit, pour ceux qui ont déjà une idée de produit et qui veulent faire, qui ont la possibilité de mettre en place un prototype, que ce soit pour le service ou que ce soit pour un produit, n'hésitez pas à faire une interview. N'hésitez pas à faire des enquêtes. Je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui, d'une personne qui veut mettre en place, qui veut lancer la marque de jus d'ananas, par exemple. Coucou Domito. Une personne qui veut lancer la marque de jus d'orange, d'ananas, je vais vous demander de faire tester le jus d'ananas autour de vous. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que vous le recommanderez? Qu'est-ce que vous améliorez? Est-ce qu'il est trop sucré? Est-ce qu'il n'est pas assez sucré? Est-ce qu'il y a trop de pulpe? Est-ce que vous le pensez naturel? Et vous demandez aux personnes, en fait, quels sont les autres parfums qu'ils aimeraient avoir? Donc, ça joue votre effet marketing. Et si vous vous souvenez bien de ce que je vous ai dit mardi, les personnes vont se sentir, quand elles se sentent impliquées, elles deviennent automatiquement ambassadeurs pour votre marque. Si moi, j'appelle si mon opérateur téléphonique fait une enquête et me dit voilà, et je donne mes retours et que je me rends compte que le mois d'après, il lance un forfait qui correspond exactement à mes attentes, je suis contente. Ma fierté est vraiment prend un coup et enfin prend un coup ma fierté, voilà, je suis contente et du coup je me dis au moins mon opérateur téléphonique m'entend. Et c'est l'avantage avec les réseaux sociaux, notamment Twitter aujourd'hui. Les gens sont réactifs, les clients sont réactifs et du coup les entreprises, pardon, sont réactives aux besoins des clients. Les entreprises ajustent et pilotent et redressent leur business en fonction des retours de clients. Je vous ai dit, le simple fait d'avoir un ambassadeur, deux ambassadeurs, trois ambassadeurs, le bouche à oreille, c'est un peu plus d'impact que vous pourrez matraquer la pub, mais le bouche à oreille a plus d'impact. C'est le simple fait que moi j'adhère, je fais adhérer quelqu'un qui fait adhérer quelqu'un qui fait adhérer quelqu'un qui fait adhérer quelqu'un. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui prend le plein essor, c'est le marché de la vente directe. La vente directe fonctionne parce que c'est ça, c'est moi, je fais une affiliation à quelqu'un qui fait une affiliation à quelqu'un qui fait une affiliation à quelqu'un qui fait une affiliation à quelqu'un. Les entreprises ne gaspillent plus énormément d'argent pour faire une pub. J'ai appris hier, par exemple, que pour faire une pub à la télé sur TF1, c'est au moins 60 000 euros pour distribuer, pour faire passer une petite page de pub. Les publicités, c'est quoi? C'est 5-10 secondes maximum. Une publicité, ça ne dure même pas une minute. Donc, c'est... Aujourd'hui, je quitte. Combien de personnes sont capables de s'offrir 65 000 euros pour faire une publicité avant le journal? Et encore, les prix des publicités dépendent en fonction des horaires, en fonction de quand les gens sont devant la télé, en fonction de plein de choses, quoi, vous voyez. Donc, aujourd'hui, les entreprises n'investissent plus autant d'argent, à moins d'avoir un énorme budget pour le marketing et d'être une grosse société. Mais vous, quand vous êtes à vos débuts, vous n'avez pas cet argent. Vous ne pouvez pas vous permettre cela. Je vous ai dit, à tout casser, la publicité sur Facebook. Mais comptez sur votre réseau. Appuyez-vous sur les gens qui vous entourent. C'est le bouche à oreille. C'est je parle à tel qui adhère, qui recommande à tel, qui adhère, qui recommande à tel, qui adhère, qui recommande à tel. Demandez toujours l'avis de vos clients. Soyez alerte à leur retour.
Ok, moi des fois j'aimerais, je viens souvent, je dis, ok, je suis en train de réfléchir à quelle destination pour un client. Est-ce que vous avez des recommandations à me faire pour une destination que je pourrais proposer? De temps en temps, vous voyez, je le fais. Je n'ai pas spécialement besoin d'un avis, mais je vous implique dans ce que je fais et je vous montre que je vous écoute. Je vous montre que je vous écoute. Donc le simple fait de venir dire, ok, j'ai besoin qu'on me recommande une destination en Europe, vous allez voir 3, 4, 5, 6 réponses. Et après, je viens, je dis, ah ben tiens, je vais proposer ça. Il y a des jours où je vais prendre en compte votre avis. Il y a des jours où j'ai déjà mon avis en tête. Je veux juste vous impliquer, en fait. Je veux juste vous impliquer. Je prends un exemple sur le tourisme. L'hôtel. Vous êtes un hôtel. Et après qu'un client soit venu, vous envoyez un questionnaire de satisfaction. Proposez à vos clients de vous laisser un avis. Combien de personnes sont allées dans un hôtel? Pour ceux qui utilisent Booking et ont reçu un email, vous avez séjourné dans tel hôtel, qu'est-ce que vous avez pensé? Et on vous pose des questions. Comment vous voyez, si la note de 1 à 5, comment vous jugez la propreté, comment vous jugez l'accueil, comment vous jugez la literie, comment vous jugez le rapport qualité, le rapport qualité-prix, etc., etc., etc. Faites-le un peu pour tout. Aujourd'hui, la SNCF fait ça. L'autre jour, j'ai voyagé en train pour aller sur Paris. C'est vrai que la SNCF a mis en place un nouveau service, le système de train ici en France. Pour ceux qui voyagent en première classe, il y a de nouveaux services qui ont été mis en place. Comme maintenant, à partir de pour ceux qui voyagent en première classe, il y a l'option pour commander les taxis avant de sortir du train. Il y a l'option pour choisir sa place pour les gens qui voyagent en première classe. Il y a le fait d'être alerté. Il y a beaucoup de services comme ça qui sont mis en place. Et il y a de temps en temps, et c'est de plus en plus récent, les personnes écoutez, j'ai un message qui m'a... Ok, qui m'a déconcentré, mais bon, bref. Ahmed, je te réponds après. Il y a des services qui sont mis en place comme ça pour essayer éventuellement de vous faire participer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à demander à impliquer vos clients. Vous avez goûté ce jus, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, etc. N'hésitez vraiment pas à impliquer, n'hésitez pas, je vais couper mon micro parce que ça a les messages, n'hésitez pas à faire impliquer les gens, répondez toujours de manière courtoise à vos clients, madame, si un client n'est pas satisfait, madame, nous sommes sincèrement navrés que vous n'ayez pas apprécié le séjour dans notre enseigne, nous sommes en constante réévaluation afin d'améliorer notre expérience client. Nous prenons en compte vos remarques et nous espérons pour la prochaine fois être à la hauteur de vos attentes. Ça, c'est quelque chose que j'ai écrit et que je sais que le jour où je vais mettre le retour d'expérience en place, c'est une phrase que je vais utiliser. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous voyez souvent comment j'écris et je dis, moi, quand un client voyage, quand bien même un client prend le vol à 7h25 à Hambourg, et que ben 7h25, vous devez être à l'aéroport 2h à l'avant au minimum, donc 5h25. Moi, je suis debout à 5h25. Je suis en contact avec mes clients. À 5h25, je m'assure, même si j'ai l'application pour vous traquer sur mon téléphone, je m'assure que vous êtes à l'aéroport. Je m'assure que tout se passe bien. Je m'assure qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'une fois, j'ai eu une cliente qui a pris le train de Lille pour arriver sur Paris et qui est arrivée et on lui a dit l'enregistrement est terminé. Pourtant, c'est Air France qui vend ces horaires-là et qui vend avec ce laps de temps. Donc, elle était toute en panique. Moi, parce que je la traquais sur mon téléphone, j'ai pu savoir où elle était et j'ai pu rentrer en contact avec elle pour dire non, fais plutôt ci, fais plutôt ça, fais plutôt ci. Soyez constamment présent pour vos clients. Qui ne vous achète pas seulement un produit et après vous les baladez dans la nature. Non, soyez constamment là. Faites des retours clients. Il y a pas mal de personnes, d'entrepreneurs qui ont des services. Ils pourront vous dire en fait. Qui pourront vous donner. Il y a beaucoup de. On passe, on fait des sondages. Comment vous avez testé ce produit? Qu'est-ce que vous en pensez? Etc. 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 Maintenant, si vous avez des clients déçus, vous pouvez dire ok, pour la prochaine fois, pour nous excuser, on vous propose d'avoir une remise de X% sur votre prochain achat ou sur le prochain produit, ou si vous venez, on peut vous proposer ce type de service, etc. Ce genre de petits gestes, en fait, même si un client n'est pas satisfait de son expérience, le simple fait que vous avez un excellent service client va les faire revenir vers vous.
Et ça va être non seulement les calmer, ça va être donner leur sentiment d'importance, mais surtout les inciter parce que à revenir parce que le service après-vente est bon. Et ce qu'on veut, c'est aussi avoir ce côté humain, en fait. On veut avoir ce côté humain, même si je suis une grosse entreprise. Le simple fait de développer mon service client, c'est une chose qui va faire revenir mes clients. Ils ne vont pas se sentir juste être un objet parmi tant d'autres. Donc, la flexibilité dans votre entreprise est primordiale. Il faut savoir être alerte pour ajuster le tir dès que cela est nécessaire. Si un service ne fonctionne pas, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 clients qui a testé et que c'est en flop, ne forcez pas dedans. Réajustez. Demandez à vos clients qu'est-ce qui n'a pas marché. Ok, j'ai mis en place le jus. D'accord, j'ai lancé, je fais une marque de jus et j'ai lancé le jus de goyave, jus de la passion papaye. Goyave, jus de la passion papaye. Ça fait un flop. Ne vous entêtez pas parce que dans votre tête, pour vous, le jus de goyave, jus de passion, papaye est bon. Non, demandez aux personnes, ok, vous n'avez pas apprécié ce produit. D'accord, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et si ça ne marche pas, sortez-le du marché. Sortez-le du marché. Ça va vous éviter de perdre non seulement du temps, de l'argent, de l'énergie et des clients. Donc, soyez alerte et rajustez le tir dès que cela est nécessaire parce que si vous ratez cela, cela risque d'être préjudiciable sur votre business. Des clients mécontents, surtout à vos débuts, sont une très mauvaise publicité pour votre business. Donc, tâchez de les choyer, tâchez de les chouchouter comme vos propres bébés. Moi, je dis toujours, Planigo, c'est mon bébé. Je sacrifie mes heures de sommeil aujourd'hui pour être sûr que mes clients sont contents. Je me sacrifie des fois en faisant certaines dérogations, en bloquant par exemple un billet sur 2, 3, 4, 5 jours au lieu de bloquer sur 2 jours parce que je me dis, un client qui est content du service que j'offre va forcément revenir et va forcément recommander. Fidélisez vos clients. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire pour fidéliser les clients. Maintenant, pour aborder le dernier point, on va parler de tout ce qui est financement, de tout ce qui est accompagnement. Moi, je le dis toujours, et s'il y a une des choses pour laquelle j'ai créé Kaifra, c'est parce que je voulais combattre ce problème d'isolement. Parce que moi, quand j'ai créé, j'aurais aimé être guidée par des personnes qui étaient passées par ce par quoi je traverse, même si ce ne sont pas des entrepreneurs qui sont forcément dans mon domaine. Mais le simple fait d'être aiguillée par une personne qui me dit, ok, ne perds pas trop de temps sur ci, perds pas trop de temps pour ça, fais plutôt ci, fais plutôt ça. C'est une des choses que j'aurais aimé avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé Kaifra et c'est ce que j'essaye de faire en prenant mon temps pour faire des lives comme ça et vous parler d'entreprendre. Si je vous donne un exemple, moi j'ai perdu les 2, 3, 4 premiers mois à chercher un développeur pour mon site internet, à chercher un associé parce que du coup j'avais pas d'argent pour faire le site internet, donc j'ai commencé à faire des démarches d'associés. Je passais sur les sites et je publiais, je cherche un associé, c'était où qui va me faire. Je voulais me mettre en association, en partenariat avec un développeur pour pouvoir avoir ma plateforme gratuitement. Et parce que pour moi en fait, avoir le site internet permettait de se faire connaître, mais ça m'a pris tellement de temps. Et j'ai eu un site internet qui a été lancé en fin décembre, pour ceux qui se souviennent. J'ai lancé le site internet en fin décembre alors que l'entreprise était créée depuis février. Entre février et fin décembre, qu'est-ce que vous faites? Vous imaginez le nombre de temps, le nombre de mois, de semaines que j'ai perdu, le nombre de jours et de clients surtout, et donc d'argent que j'ai perdu, parce que j'étais là à rester focalisée sur une chose, alors que j'aurais pu tout simplement commencer à faire parler de mon service via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas de possibilité de me faire payer sur mon site internet. Je me fais payer par virement bancaire. Est-ce que si j'étais restée comme ça en me disant que, ok, j'attends le moyen, le jour où j'aurai l'argent pour me créer un site avec la possibilité de se payer en ligne, je n'aurais pas lancé Planigo. On ne serait pas là où on est en train de parler aujourd'hui. Donc, essayez de contourner certaines choses. Essayez de le chemin A ne fonctionne pas, passez sur le chemin B. Le chemin B ne fonctionne pas, allez sur le chemin C. Moi aujourd'hui, je me fais payer par virement bancaire, je me fais payer par PayPal, je me fais payer par Western Union, je me fais payer par MoneyGram, parce que les gens, même s'ils ne me connaissent pas et qui me contactent aujourd'hui, vu que j'ai prouvé, entre guillemets, je le mets vraiment avec beaucoup de réserve, vu que j'ai prouvé que j'étais viable et que j'étais une personne sérieuse et que je ne faisais pas dans le faux et que je n'escroquais pas l'argent des gens, etc., les gens ont des bons retours, donc ils me recommandent. Aujourd'hui, on a plus de facilité à me donner de l'argent en faisant un virement bancaire sans me connaître
que si c'était il y a 1 an ou 2 ans. Mais si j'étais encore au stade aujourd'hui, 2 ans plus tard, à me dire, ok, j'ai pas d'argent pour me faire un site internet pour avoir le paiement en ligne, etc. Du coup, je peux pas avancer. Je serais en train de tourner. Peut-être c'est aujourd'hui que j'aurais dit, ok, je trouve une solution B, C ou D. Et je serais en train de ramer pour essayer de me faire, pour essayer de gagner la confiance des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, 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 vraiment important. Je suis en train d'essayer de retrouver mes notes. Ah, c'est bon, je suis retrouvée. Donc, en ce qui concerne le financement, donc hier, avant-hier, on a parlé de business plan, on a parlé d'études de marché qui sont réalisées. Je ne sais pas si j'ai des questions, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai des questions par rapport à ce que je vous ai dit sur le service client, sur le contact avec le client. Je ne sais pas s'il y a des retours d'expérience, s'il y a une question par rapport à ça. S'il n'y a pas de question, je vais avancer. Je vais passer à l'autre point. Non, je n'ai pas de questions. Non, visiblement, je n'ai pas de questions. Coucou Patty, comment tu vas? Bonjour maman Olga. Je n'ai pas de questions. Ok, je vais continuer. Donc, on a vu il y a 2 jours le business plan. On a vu l'étude de marché. Je vous ai publié sur mon Facebook et via les pages des liens intéressants pour le business plan, pour faire un business plan. Je vous ai dit, ceux qui ont besoin de plus d'informations en privé ou pendant le webinaire, je vous ai dit mercredi prochain à 21h, heure de Paris, je vais faire un webinaire pour entrer un peu plus en détail pendant 45 minutes pour comment créer son entreprise, par où commencer, etc. Et jeudi, je vais parler pendant le webinaire à 21h de rédiger un business plan, faire une étude de marché, etc. Et je suis en train de voir pour avoir un expert, un intervenant qui sera là pour animer cet atelier avec moi. Comment booster mon école sur Facebook? Je ne dirais pas que sur Facebook, vous pouvez booster une école. Par contre, sur Facebook, votre école peut avoir une page. Et les personnes qui ont inscrit leurs enfants et les personnes qui sont passées dans votre école, qui ont été des étudiants, je sais pas, c'est une école primaire, c'est une école comment. Je pense que le fait d'avoir des retours, là, sur cette page-là, vous pouvez parler de votre programme, vous pouvez parler de ce qui est mis en place, vous pouvez parler de vos partenariats, vous pouvez parler du classement de votre école, etc. Et je ne pense pas que Facebook, après son avis personnel, et ça c'est ce que j'ai d'un premier abord, mais je ne pense pas spécialement que Facebook soit un endroit adapté pour booster une école. Pour booster une école. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas forcément. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi par exemple, je regarde mon école de commerce. Mon école de commerce est présente sur les réseaux sociaux. Mon école de commerce est présente sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais c'est parce que c'est tout ce qui est en rapport avec les innovations, avec les partenariats, avec le fait qu'on monte en classe dans le classement, etc. Mais je suis très mitigée par rapport à la chose. Maintenant, si vous vous sentez libre de vouloir booster je pense qu'il y a d'autres moyens que sur Facebook pour faire connaître quand on a un projet d'école. C'est mon avis. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Bonjour Peggy, t'inquiète pas, il y a le replay. Le live sera en replay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je vais avancer parce que je ne veux pas que ce soit trop long pour les personnes. D'accord. Alors, donc, on a vu il y a 2 jours le business plan et l'étude de marché et on a vu comment les réaliser. Donc, après avoir fait ça, il est temps pour vous de sortir de l'isolement. Bon, j'ai un petit peu inversé les choses. Je vous ai dit de créer directement après une page Facebook, etc. Quand vous êtes calé, vous êtes sûr que votre business, vous êtes sur la bonne voie. Donc, il est temps de sortir de l'isolement et de créer un réseau. C'est ce qu'on a vu avec le fait d'avoir une page Facebook et de gagner une visibilité. Un entrepreneur ne doit pas être isolé. Un entrepreneur ne doit pas avancer seul. Un entrepreneur a besoin des autres pour avancer. Quand bien même, vous serez seul sur votre projet. Allez à la rencontre d'autres entrepreneurs, que ce soit des personnes qui soient dans votre domaine ou pas. Allez demander à d'autres entrepreneurs comment vous avez mis ceci sur pied, comment ça s'est passé, comment vous avez pu contourner par exemple les charges, comment vous avez pu faire pour éviter de payer un impôt trop cher, comment, quel statut juridique vous avez pris, en fonction de quoi, etc., etc. Allez voir d'autres entrepreneurs. Faites un partage d'expérience. Partagez votre expérience, contactez d'autres personnes pour connaître leur expérience et pour voir comment ils ont
traverser certaines étapes parce que il y a l'isolement qu'on traverse, il y a la solitude qu'on traverse, il y a le fait d'être incompris, il y a l'ascenseur. Je dis toujours, l'entrepreneur, c'est un ascenseur émotionnel. Aujourd'hui, on peut être tout au top et tout se passe bien, etc. Et tout va vraiment comme sur des roulettes. Et demain, enchaînement de catastrophes, un client qui nous plombe, une annulation de dernière minute, etc., etc. C'est vraiment un ascenseur émotionnel. Et si on n'est pas vraiment ferme dans sa tête, franchement, c'est difficile. C'est vraiment difficile, encore plus quand on est une femme. Encore plus quand on est une femme. Et je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas réussir dans l'entrepreneuriat. Je suis l'exemple vivant qu'une femme peut réussir dans l'entrepreneuriat. Mais accompagnez-vous, sollicitez les gens autour de vous. Ne restez vraiment pas seul. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, quand ça ne va pas, je dis voilà comment je peux faire ce dossier-ci, comment je fais ce dossier-là. Je demande de l'aide aux gens, je demande de l'aide à des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs. Je dis, comment tu as fait ce dossier-ci? Comment tu as contacté tel? N'hésitez vraiment pas à demander de l'aide. Demander de l'aide, ce n'est pas rabaissant, ce n'est pas humiliant, ce n'est pas... N'hésitez vraiment pas à demander de l'aide. On peut avoir un expert en éducation pour faire des lives sur des programmes pédagogiques et psychologiques. Domito, je préfère vraiment que si vous avez des questions par rapport à votre business en particulier, qu'on en parle en privé parce que je peux pas rester juste là sur le live à répondre à vos questions. Et d'autant plus que votre projet, c'est pas le même projet que tout le monde. Je vais vraiment parler de manière générale. Après, si vous avez des questions bien plus spécifiques par rapport au fait que vous mettiez en place une école, vous pouvez me contacter en inbox et on pourra en discuter. Maintenant, en ce qui concerne l'éducation sur les programmes psychologiques et pédagogiques, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Donc, je ne peux malheureusement pas vous aider dans ce domaine. Mais bon, venez me contacter en privé et on verra ce qu'on va mettre. On verra comment on va travailler par rapport à ça. Contactez-moi, écrivez-moi en privé et puis en inbox et puis on verra. Donc, n'hésitez pas à nouer de contact avec des potentiels ou des futurs partenaires dans le business. Hier, je vous ai parlé de l'importance de ne pas forcément voir les gens, les concurrents comme des concurrents, mais de les voir comme des potentiels futurs partenaires. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais une amie qui travaille à Booking au tout début. Et moi, je lui disais, ah bah tiens, moi, bientôt, quand je vais évoluer, je vais devoir contacter Booking pour faire le partenariat avec Booking. Bientôt, je vais contacter tel ou faire le partenariat avec tel. J'ai des personnes je peux avoir une personne que j'ai rencontrée qui a un hôtel. Et moi, je noue les contacts avec les hôtels. Pour le moment, je ne fais pas spécialement de réduction dans les hôtels, mais je sais que je suis appelée à le faire sur le long terme. Donc, j'ai déjà le contact avec ce futur partenaire. Donc, n'hésitez vraiment pas à rencontrer des personnes, quitte à ce que ce ne soit pas des contacts que vous utilisez maintenant. Gardez juste une certaine relation commerciale et courtoise avec cette personne-là. Soyez présent dans leurs esprits. Donc, nouer des contacts avec des futurs partenaires de business, des personnes qui ont des services qui vous seront utiles dans votre business. Moi, aujourd'hui, je peux faire un partenariat avec une personne qui a mis en place un système de conciergerie, par exemple, et qui vient, par exemple, au Cameroun, Easy Ride, qui reçoit les gens, les chauffeurs privés, là. Je peux faire un partenariat avec Uber. Parce que si j'ai une clientèle professionnelle et qui voyage pour les voyages d'affaires, moi, je peux envoyer un Uber, un chauffeur privé, venir vous récupérer chez vous et vous amener à l'aéroport. C'est un service. C'est un futur partenaire. Aujourd'hui, je n'ai pas encore le contact, mais j'ai déjà démarché des personnes qui font dans ce domaine-là. Comme ça, le jour où je mettrai ce package en place, je saurai vers où me tourner, quand me tourner, et je serai déjà présent dans l'esprit de ces personnes. Ce sera beaucoup plus facile de les aborder. Donc, montrez de l'intérêt pour ce que les autres aussi font. N'hésitez pas à proposer des échanges de services. Moi, je fais dans le voyage. Tu vends par exemple des maillots de bain, tu vends des bouées, tu vends tout ce qui est en rapport crème solaire, etc. Tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est plage, etc. Moi, je vends des services. Je vends des services pour que les personnes puissent partir en vacances. Et mes clients peuvent avoir potentiellement besoin de vos maillots de bain. Donc, je vais faire un partenariat avec toi. Et je vais dire à mes clients, vous avez acheté un billet d'avion pour aller au soleil, aller à la plage, ou acheter un billet de train ou un séjour pour aller à la plage. Je peux vous référencer mon partenaire tel qui vend des maillots de bain, qui vend tout ce qui est en rapport avec crème solaire, etc. Et qui peut vous être utile. Toi qui vends les maillots de bain, tu peux me référencer en disant, ok, vous achetez un maillot de bain. Vous pouvez éventuellement contacter Planugo parce que Planugo met en place en fait des offres, des packages très intéressants pour les personnes qui veulent partir en vacances.
Donc, n'hésitez vraiment pas à faire ce genre de choses. L'exemple que j'adore prendre, c'est le couturier. Une personne qui vend des tissus paille peut faire un partenariat avec une personne qui court. Donc, une couturière ou un couturier, dans la mesure où moi, quand j'achète un pagne chez toi, je suis directement référencé par chez un couturier. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête maintenant à me dire que, OK, comment je fais pour coudre mon pagne? Et je peux déjà mettre en place ce service-là et avoir une certaine commission pour, par exemple, recommander vos services, en fait, aux personnes. Vous voyez ce genre de service? Donc, c'est ce que ce serait mieux de... Attendez. Je vais juste... Ok. Alors, on continue. Donc, puisque quand on se lance, en fait, le moins on dépense, le mieux on se porte. Donc, n'hésitez pas à faire des partenariats et à faire un service donnant-donné, en fait, avec les gens, pour que ça vous évite de dépenser ces frais. N'hésitez pas à rencontrer des juristes, des avocats, des notaires, tout ce qui est expert, que ce soit dans le domaine de la comptabilité, quel que soit le domaine d'action, en fait, dans lequel vous vous exercez. N'hésitez pas à rencontrer ces experts-là. Je sais qu'ici en France, et je pense que c'est un petit peu partout comme ça, il y a les notaires qui font les premières consultations gratuites. Il y a les juristes qui font pareil, les avocats pareil. Ça vous évite de payer une énorme somme d'argent. Le fait d'avoir une vue externe de tout ce genre de choses vous permet de voir certains aspects d'un plan de vue professionnel parce que eux, ils sont spécialisés dans ce domaine-là et ils peuvent vous alerter sur certaines choses. Moi, j'ai un juriste qui m'accompagne. Parce que il faut que je me pose la question, si j'ai un client qui a un préjudice par rapport à telle chose en rapport à ce que je vends, comment moi je me fais pour me couvrir derrière? On connaît tous des histoires où une personne a acheté un McDo et acheté au McDo le matin pour prendre un petit déj et acheté un café et a pris le volant et en conduisant, mais en freinant brusquement, le café chaud s'est renversé et l'a brûlé. Comment McDo se retourne quand le client vient attaquer McDo? Parce que le client va se retourner contre McDo. C'est une chose qui s'est passée aux États-Unis. Le client s'est retourné contre McDo en disant, ben voilà, McDo m'a vendu un café trop cher. Vous imaginez, tu achètes un café chez moi, tu pars, et au lieu de boire ton café, tu le mets sur tes genoux, tu prends le volant et tu freines brusquement. Le café se verse sur toi, ça te brûle et tu m'accuses. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut penser, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place. Il faut réfléchir à ce genre de choses. Réfléchissez à ça. Ayez à consulter des notaires, des avocats. Ayez à penser au comptable. Le comptable va par exemple vous dire, voilà pour la première année, en termes de charges, en termes d'impôts, vous allez devoir payer ça. Le comptable va vous aider à faire votre prévisionnel, à voir un peu clair par rapport à votre plan financier, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à contacter ces gens-là. Est-ce que votre projet nécessite l'établissement d'un brevet? Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez, vous voyez ce qui m'est arrivé par rapport au nom de domaine. J'ai négligé juste un aspect, la protection du nom de domaine, etc., etc. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ça me rattrape et j'étais en train de paniquer. Pourtant, si j'avais consulté avant et si je m'étais posé toutes ces questions-là avant, j'aurais protégé mon nom, j'aurais protégé mon les mots de les mots-clés, etc., etc. Donc, ça, c'est des expériences personnelles qui me sont arrivées et je peux vous dire que ayez une visibilité au maximum, posez-vous les questions au maximum pour tout ce que vous mettez en place par rapport à votre projet. L'établissement d'un brevet, la propriété intellectuelle, une licence. Est-ce qu'il y a des contraintes juridiques à respecter? Est-ce que dans mon pays, la législation dit quelque chose contre ça? Moi, par exemple, je n'ai pas le droit, si je ne suis pas une agence de voyage, d'émettre les billets. Donc, pour ceux qui me contactent, moi, je leur dis, moi, je n'émets pas les billets, moi, je suis juste un intermédiaire. Je transite avec une agence de voyage. Donc, ou tout simplement, je vais voir Air France et je dis à Air France que moi, j'ai un client qui fait ça et j'achète le billet chez Air France et je le revends à mes clients. Parce que, légalement parlant, je n'ai pas le droit. Vu que je n'ai pas une licence professionnelle, vu que je n'ai pas un numéro IATA, d'émettre des billets. Donc, renseignez-vous sur ce que la juridiction dit dans votre pays, renseignez-vous sur ce que la loi dit. C'est des choses que si la loi vous tape sur les doigts, ça va vous coûter cher. On s'en fout, excusez-moi l'expression, de savoir que vous le saviez avant ou pas. On va vous punir pour votre ignorance. C'est votre devoir de ne pas être ignorant. C'est votre devoir de savoir ce que la loi dit par rapport à votre business. C'est votre devoir d'être toujours et constamment au courant des évolutions de la loi dans votre domaine. C'est votre
Si vous regardez, par exemple, aujourd'hui, les pesticides en France, les pesticides Aujourd'hui, les pesticides en France vont être supprimés. Quelqu'un qui fabrique des pesticides, il a besoin de le savoir. S'il continue à fabriquer des pesticides et que la loi le sanctionne, c'est lui qui aura merdé. Donc, soyez constamment au courant des évolutions et de tout ce qui se passe en termes de contraintes juridiques, comment vous protéger au cas où il y a un problème qui vous arrive, comment vous protéger dans le cas où vous avez un projet social, comment protéger vos clients. Parce que moi, par exemple, pour le covoiturage, vous imaginez, vous partez en covoiturage avec quelqu'un, la personne vous abandonne sur l'autoroute. Où il y a un accident qui se passe, qui couvre quoi, qui prend telle responsabilité en charge, ou tout simplement vous êtes avec un barjot dans la voiture. Je pense que BlaBlaCar a dû réfléchir à tout ça et que en termes d'assurance, en termes de protection civile, etc., ils sont très 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 bien. Surtout pour les nouveaux cœurs de métier dans le social comme ceux dans lesquels j'exerce. Donc, les nouveaux business reposent sur la conscience des utilisateurs en voie de colis entre particuliers, covoyage, covoiturage, etc. Comment vous garantissez leur sécurité? Comment vous couvrez en cas de problème, etc. Envisagez même très, très souvent le pire des scénarios. Ça va vous permettre d'avoir une vue sur des choses. Domito, toi qui veux mettre en place une école. Est-ce que si un enfant, si je vois, je viens avec mon enfant, j'envoie mon enfant à l'école, mon enfant se blesse avec, je sais pas, un clou dans ton école ou se perfore un œil ou etc. Qui porte la responsabilité? Est-ce que la responsabilité tombe sur toi à l'école et moi, parent de l'enfant, je me retourne contre toi en te disant tu n'as pas été assez vigilant par rapport à mon enfant? Ou c'est moi tout simplement qui porte la responsabilité parce que mon enfant a déconné? C'est ce genre de questions que vous devez poser. Demandez-vous si il y a ce cas extrême qui arrive, vers qui je vais me tourner? Qui va mettre quoi en place? Qui va payer quel prix? Aujourd'hui, franchement, on peut aller facilement, encore, je le dis plus pour l'Europe parce que l'Afrique, je ne sais pas du tout, mais on peut se retrouver très souvent, très vite au tribunal avec des grosses entreprises et débourser de très grosses sommes avec à ces entreprises-là. Pour un préjudice juste, parce qu'il y a une petite ligne dans la loi, par exemple, que l'entreprise n'a pas prise en compte. Donc pose-toi des questions pareilles. Je prends ton exemple pour l'école. Pose-toi ce genre de questions. Qui est couvert? Qui rentre comment? Quelle est l'assurance qui prend en charge? Est-ce que mon assurance me protège par rapport à ça? La responsabilité est à qui? Est-ce que la responsabilité est à moi qui suis gérant de l'école ou la responsabilité est à l'enfant parce qu'il n'a pas su se tenir à carreau. Donc posez-vous ce genre de questions. Envisagez le pire des scénarios pour vous aider à avoir une vue globale sur votre projet et savoir comment résoudre par anticipation les questions que vous posez sur un aspect juridique, sur un aspect fiscal de votre problème. Allez dans les salons d'entrepreneurs, participez à des formations et à des ateliers pour créateurs, allez voir des meetings, allez dans des apéros, allez rencontrer des gens, allez, franchement, faites des séances de networking. En ce qui concerne le financement, il y a aujourd'hui pas mal d'organismes qui financent. Il y a le département qui finance, il y a de manière, il y a l'État qui met en place, il y a des concours, il y a des concours de start-up, il y a des concours de manière internationale en fonction du projet, en fonction de la catégorie dans laquelle vous investissez. Il y a ce qu'on appelle en France l'ADI. Il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui créent en étant demandeurs d'emploi, vous avez l'ACRE, par exemple, A-D-C-R-E. Bref, je ne vais pas dire de bêtises. Il y a l'ACRE, par exemple, qui vous dispense des charges la première, voire la troisième année. Je vais vérifier encore avant de vous dire. Il y a des moyens de contourner. Il y a des dispensations que vous pouvez avoir. Vous pouvez aujourd'hui, avec le Pôle emploi, par exemple, si vous avez travaillé, que vous vous êtes arrêté pour vous mettre à votre propre compte, vous pouvez, avec le Pôle emploi, bénéficier des allocations par rapport au fait que vous ayez travaillé votre chômage. Le chômage, vous pouvez le prendre de manière totale au début de votre activité, vous pouvez le prendre de manière partielle, ou vous pouvez vous décider de le prendre qu'à un certain temps donné. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. N'hésitez pas à faire des concours. N'hésitez pas à faire des challenges. Il y a des concours où on vous dit, OK, le gagnant, par exemple, va gagner un an d'accompagnement sur tout ce qui est gestion de sa publicité. N'hésitez pas à faire des demandes pour les pépinières d'entreprise. N'hésitez pas à contacter des... Pas trop couveuses, je ne suis pas trop pour la couveuse. N'hésitez pas à contacter
des pépinières d'entreprise, n'hésitez vraiment pas à regarder tout. En termes de financement, donc il y a l'ADI. En termes de financement, il y a ce qu'on appelle le love money. Le love money, c'est le crowdfunding. C'est que je demande aux personnes de financer mon projet. Et parce qu'ils aiment, parce qu'ils adhèrent, parce qu'ils s'identifient à mon projet, ils me donnent de l'argent. En contrepartie, moi, je leur offre quelque chose. Par exemple, je vais faire un crowdfunding et je vais dire aux gens, voilà, si vous me donnez 10 euros, je vais vous donner en retour une carte postale avec les insignes de Plan Hugo. Si vous me donnez, je sais pas, 500 euros, je vais vous offrir un voyage, un week-end ou un week-end dans un hôtel 4 étoiles d'une valeur de 200 euros. C'est ce qu'on appelle le love money, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui le font. Il y a KissKissBankBank qui est une des plus connues, il y a Ulule. Moi, je vais parler vraiment spécifiquement pour la France. Donc, il y a Ulule qui peut faire le love money. Donc, le simple fait que les gens adhèrent, ils vous donnent de l'argent pour ça. Et l'avantage, c'est qu'en passant par ces plateformes-là, ils ont déjà de gros réseaux, ils ont de gros contacts. Ulule, et je sais que KissKissBankBank, c'est pareil, ils ont des partenariats avec des banques. Il y a des banques qui peuvent venir pour regarder des projets et ils décident de financer des projets. Ils ont des entreprises qui viennent et qui disent que, OK, moi, je supporte ce projet et pour 1 euro donné, moi, je donne 2 euros. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. C'est de gros réseaux. C'est vraiment de gros, gros, gros réseaux. N'hésitez pas à vous tourner vers eux si vous avez besoin de faire une levée de fonds. Mais la seule contrainte de cela, c'est que si vous décidez, par exemple, d'atteindre 10 000 euros et si vous n'avez pas les 10 000 euros en question, l'argent est restitué aux gens qui ont contribué dans pour votre projet. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle le love money, donc ou le crowdfunding. Il y a ce qu'on appelle la levée de fonds. Ça, c'est ce que je préparais Plan Hugo. Pour ceux qui sont dans mon Facebook, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai dit, par exemple, le ticket d'entrée, c'est 375 euros. C'est des gens qui vont venir vous donner de l'argent pour que vous fonctionnez et en contrepartie, vous allez leur donner des parts dans votre société. Ils vont payer un certain ticket d'entrée pour pouvoir acquérir des parts dans votre société et en retour, à la fin d'année, ils auront des dividendes sur la manière dont vous évoluez. C'est leur argent qu'ils vous donnent pour que vous tourniez avec. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la levée de fonds. Et il y a également des plateformes pour ça. C'est juridiquement parlant, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de choses à mettre en place. Le pacte d'associés, il faut définir est-ce qu'ils ont leur mot à dire, est-ce qu'ils n'ont pas leur mot à dire, comment vous allez gérer la société, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des financements et il y a des financements que la mairie vous donne. Il y a des financements que vous avez quand vous créez, par exemple, dans un quartier défavorisé. Il y a certains quartiers, notamment ici en France, dans les banlieues, etc., des quartiers où on encourage les gens à venir créer. Et donc, parce que vous venez créer dans ce domaine-là, on va vous donner de l'argent pour pouvoir vous implanter. Donc, c'est un premier argent pour pouvoir lancer votre projet. Donc, regardez en fonction de dans quelle zone vous êtes, en fonction de département où vous habitez en France, il y a des aides par rapport au fait que, voilà, dans ce département, on essaye d'encourager l'entrepreneuriat. Dans ce département, on essaye d'encourager. On donne des fois même des financements pour vous aider à recruter votre employé. Parce que le fait de recruter va permettre de baisser le chômage. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder. Documentez-vous. Je vais finir en vous partageant je vais finir par vous partager. Alors, love money, j'en ai parlé. Donc, considéré en général et indispensable pour démarrer une entreprise. Donc, aujourd'hui, j'avais le choix entre faire un love money ou une ouverture de un crowdfunding. Donc, l'argent que le créateur... on vous dit quand vous voulez faire un crowdfunding, par exemple avec Ulule, etc., que les 20% de l'argent que vous devez demander doivent être financés, doivent être amenés par votre famille. Donc, avant même que ce soit des personnes autour de vous qui ne connaissent pas le projet, qui entendent parler de votre projet, il faut que des gens autour de vous viennent entendre parler de votre projet. Si je demande 5000 euros, avant de devoir communiquer à l'extérieur auprès des gens qui n'ont jamais entendu parler de mon business, je vais d'abord demander aux gens qui sont dans mon réseau de venir mettre de l'argent parce qu'une personne qui est de l'extérieur, qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui découvre mon projet, qui vient et voit au bout de 3 jours, j'ai 0 euros, la personne va se poser des problèmes. Et j'ai du mal à penser que les gens vont donner de l'argent. Donc, le love money, du moins le crowdfunding, repose d'abord sur son cercle proche, ses frères, ses sœurs, les gens qui sont dans votre Facebook, vos amis, etc. Donc, il y a des concours, il y a des subventions, il y a des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, en fait, il y a des organismes qui sont là pour vous donner de l'argent. Ils vous prêtent à taux zéro. Ils vous prêtent de l'argent des fois et que vous pouvez rembourser à partir de 2, 3, 4 ans.
En général, c'est des prêts sur maximum 7 ans ou 10 ans et ils vous donnent un montant limité. Et cet argent-là, en fait, va vous permettre d'aller voir la banque. Ça s'accompagne forcément avec un prêt bancaire. Donc, vous allez par exemple dire que moi, j'ai un prêt que je reçois de l'ADI à hauteur de 4 000 euros. Le prêt que l'ADI va me donner doit être au minimum de 20% de ce que je vais demander à la banque. Donc, c'est ça. Et le fait d'avoir ce prêt d'honneur-là va vous permettre d'aller voir votre banquier en disant, moi, aujourd'hui, cet organisme me suit, il croit en mon projet, ils m'ont donné 4 000 euros. Le banquier sera plus facile, plus apte à vous donner de l'argent. Parce que voilà, il y a quelqu'un, il y a un organisme, c'est des grands organismes, c'est des grands réseaux, comme je dis, qui croient en vous. Donc, il y a le concours national d'aide à la création d'entreprises innovantes, il y a le concours national Créatest pour la création d'entreprises, il y a les concours talents, il y a le prix d'entrepreneur social, il y a beaucoup de prix en fonction du domaine dans lequel vous créez. Il y a beaucoup de projets sociaux dans tout ce qui est le domaine du social qui sont encouragés et il y a énormément d'appels au concours. Il y a énormément d'appels à projets dans ces domaines-là. Donc, si vous mettez en place quelque chose qui est dans le domaine du social, il y a énormément. Et je pense que chaque mois, au moins, il y a un concours. Mais vraiment, chaque mois, et j'exagère pas, pour ne pas dire tous les 2, 3 mois. Donc, il y a des aides qui sont distribuées par l'État, il y a des aides qui sont distribuées par les collectivités locales. Donc, je vais vous mettre un article, juste dès que je finis, un article sur les aides et subventions pour les créateurs d'entreprises. Mais ça, excusez-moi, ce sera que pour la France. Il y a des subventions que vous pouvez percevoir à certains stades de votre entreprise. Donc, vous pouvez percevoir des subventions plusieurs mois après le commencement de votre activité parce qu'il y a des critères, en fait, qu'il faut respecter, comme étant le fait de dire qu'OK, si je reçois de l'argent, je vais embaucher. On va vous débloquer cet argent si vous vous embauchez réellement. Donc, ça va vous permettre de faire des investissements. Il y a des personnes qu'on va dire OK, nous, on peut vous donner, la collectivité va vouloir vous donner 15, 20 000 euros pour vous permettre d'embaucher. Et c'est quand vous allez embaucher que maintenant, ils vont vous débloquer les fonds parce que il faut embaucher, il faut payer. Donc, ils vont vous débloquer les fonds. On va vous dire, OK, si vous réussissez à faire un investissement, etc., on va vous débloquer les fonds. Et il y a des subventions pour ça, les subventions d'investissement, ça s'appelle. Donc, il y a le prêt d'honneur dont j'ai parlé qui vient compléter l'apport personnel. Parce que quand vous allez voir la banque et vous dites que vous voulez un prêt de 2 000 euros, moi j'ai 1 000 euros, le prêt d'honneur va venir compléter votre apport professionnel et va venir en fait permettre aux banques de vous donner de l'argent. Et c'est attribué par des organismes extra-bancaires, comme par exemple le réseau Entreprendre ou France Initiative. Ça, c'est des réseaux qui vous donnent des prêts d'honneur. En fait, pour bénéficier de ça, il faut faire un dossier et c'est sur étude. Et si votre dossier est sélectionné, vous avez un entretien avec eux, vous discutez du projet avec eux, vous pitchez votre projet. Et en fonction de ça, ils vont plus ou moins vous donner une telle somme. Soit ils vous donnent ce que vous avez demandé, soit ils vous donnent un peu moins. Voilà. Il y a l'ADI. L'ADI, ça peut constituer également une bonne source de financement. L'ADI finance jusqu'à 10 000 euros et c'est une aide réservée à certains projets bien précis. Donc, c'est un microcrédit. L'ADI, c'est un microcrédit et qui peut remplacer les crédits bancaires. Moi, j'ai une tata qui, à l'époque, elle a lancé son association, elle a bénéficié de l'ADI et c'est grâce à l'ADI, l'aide de l'ADI, je crois qu'elle avait eu 10 000 euros. C'est grâce à l'aide de l'ADI, en fait, qu'elle a pu lancer son association et commencer son fonds de roulement. J'ai parlé de la levée de fonds, donc c'est les gens qui viennent donner de l'argent et voilà. Et il y a les prêts bancaires, donc c'est vraiment pas de règle, mais la plupart de temps, les entreprises ne financent pas plus de 70% d'investissement. Et une entreprise, la banque vous finance vraiment, aujourd'hui, c'est beaucoup de plus en plus compliqué d'avoir des prêts bancaires, donc c'est vraiment la dernière solution que je vous propose. Donc, plus votre apport est grand, plus la banque est prête à vous prêter. À moins d'avoir un super bon conseiller avec qui ça s'entend bien parce que vous avez un compte personnel dans sa banque. Donc, voilà, les garanties, les banques peuvent vous demander des garanties. On va vous demander, par exemple, d'hypothéquer votre maison. On va vous demander d'hypothéquer votre voiture. On va vous demander certaines garanties, en fait, des cautions, etc., pour pouvoir vous prêter l'argent. Parce que derrière, ils vous donnent de l'argent, mais ils aimeraient quand même se protéger au cas où vous faites un flop, en fait. Vous faites un flop au niveau de votre activité. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Pour ceux qui sont hors de la France, il y a beaucoup d'organismes qui financent. Je sais qu'il y a des organismes qui financent des projets à caractère sociaux en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de financement et d'aide disponible, etc. Donc,
il y a ça qui est mis en place. Il y a des organismes internationaux qui aident aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Ne restez pas isolés. Ne restez vraiment pas isolés. Regardez autour de vous. Domito, c'est normal que je m'adresse aux gens en France parce que je l'ai dit, je vis en France et mon entreprise, mon agence Caïfra, c'est pour la France. Donc, je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit avant-hier, j'ai les informations que je vous donne, c'est pratiquement, en termes de financement particulièrement, c'est pour la France. Maintenant, tout le reste que j'ai abordé toute la semaine, c'est de manière générale et c'est autant disponible pour une personne qui est en France qu'à l'étranger. Et je pense que l'autre jour, il me semble qu'il y a 2 jours, je vous ai demandé de me contacter et j'allais vous donner le contact de Sunu Startup. Je vous ai demandé de m'écrire il y a 2 jours et je vous ai donné 2 noms de personnes que vous voulez contacter et vous ne m'avez pas écrit. Je ne peux pas malheureusement courir après vous pour vous aider. Donc écrivez-moi, vous me dites ce que vous avez besoin et si j'ai la possibilité de vous aider, je vous aide. Si je n'ai pas la possibilité de vous aider, je vous dirai clairement que moi je n'ai pas la possibilité de vous aider. Mais aujourd'hui, je suis en France, donc je sais comment ça se passe parce que moi j'entreprends en France et je suis camerounaise à la base. Donc, je sais comment ça se passe au Cameroun. Malheureusement, je ne suis jamais allée au Bénin. Je ne connais pas le Bénin. Je ne peux pas vous orienter par rapport au Bénin. Je peux, mine de rien, poser des questions aux personnes que je connais dans mon réseau, notamment sur LinkedIn, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont dans l'entrepreneuriat en Bénin. Et je vous ai dit, je peux vous orienter vers les autres personnes. Donc, si vous ne m'écrivez pas, je ne peux malheureusement pas vous aider. Je ne vais pas courir après vous en fait. Donc écrivez-moi en inbox et je vous répondrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au financement? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux organismes? Je vais publier, il y a un article que j'ai lu qui recense tous les financements en fonction des départements, en fonction des communautés, etc. Cet article-là, en fait, va vous permettre d'avoir une vue sur les aides que vous pouvez bénéficier. Donc, je vais publier, là, dès que je finis le live, les articles qui peuvent aider par rapport à tout ce que j'ai lu. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas après à me poser en commentaire ou en inbox. Domito, moi, je vous attends en inbox pour qu'on parle par rapport à votre projet plus précisément. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vais vous laisser sur ce et je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée et un bon week-end. Je regarde si j'ai pas sauté une question. Non, j'ai pas sauté de question. J'ai pas de question. Bon, je pense que tout est clair. Donc, on se dit rendez-vous mercredi pour le webinaire. Je vais mettre le lien pour pouvoir vous inscrire. Vous serez alerté en temps et en heure. Ce sera mercredi à 21h pour le webinaire « Comment je crée ». Et jeudi, avec un expert, si je réussis à choper l'expert en question, on va aborder tout ce qui est en rapport avec le business plan et l'étude de marché. Donc, j'espère vraiment que tout ce que j'ai pu vous donner, vous partager durant toute la semaine, va pouvoir vous aider. J'espère que ça vous donne des idées claires. Et maintenant, comme je dis souvent, mon but, c'est de vous aider. Donc, s'il y a des questions, si vous avez des doutes, si vous avez un flou par rapport à quelque chose, n'hésitez pas à poser la question. Vous pouvez m'écrire via mon Facebook, vous pouvez écrire via Caïfra Events. On va vous répondre. Ne restez pas dans l'isolement. Moi, j'ai une amie qui a écrit aujourd'hui, elle dit « Je veux entreprendre, mais je ne sais pas par où commencer, c'est flou, etc. » N'hésitez pas. Franchement, faites le pas. Osez. Osez parler de votre projet. Osez contacter, demander de l'aide. Tendez la main et on vous aidera. Les personnes ne seront pas forcément là dans votre tête pour savoir comment faire pour vous aider. Aujourd'hui, je prends du temps. J'ai pris quand même 1 heure maximum chaque jour pour faire des lives gratuitement. Donc, il y a pas mal de personnes comme ça ouvertes. Si vous fouillez bien sur Internet, notamment sur Facebook, qui sont disponibles pour vous aider. Mais si vous n'allez pas vers ces personnes, si vous ne les contactez pas, si vous n'exposez pas votre problème, si vous n'exposez pas ce domaine où vous avez besoin d'aide, on ne pourra pas vous aider. Donc, n'hésitez vraiment pas, s'il y a besoin d'un accompagnement personnalisé, je suis disponible et je fais des accompagnements du coaching personnalisé pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui veulent réussir. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter en disant « Esther, moi j'ai vu ça, j'ai ça qui bloque, est-ce que tu peux m'aider par rapport à cela ?» Oui, certes, c'est payant, mais on met en place un accompagnement, le but c'est de vous rendre indépendant, le but ce n'est pas de vous rendre accro à nous. Il y a des challenges qui sont mis en place, il y a des concours, il y a des groupes d'entrepreneurs, il y a pas mal de choses. Et je vous ai dit, à partir du mois de juillet, pour ceux qui sont dans mon groupe Entreprendre avec succès by Caïfra, je vais vraiment le mettre de manière plus spécifique et vraiment plus,
plus en détail sur cela et on va vraiment travailler sur les choses. Je suis en train de travailler sur des thématiques que l'on pourra travailler et traiter ensemble. Donc, si vous êtes intéressé et ne serait-ce que pour avoir une idée, même si vous n'êtes pas encore créateur, si vous avez juste un projet d'entreprendre, que ce soit dans X mois, X années, vous pouvez rentrer gratuitement dans ce groupe-là et prendre les informations et bénéficier de l'expérience des autres. N'hésitez vraiment pas à vous rajouter dans ce groupe. Mais si vous ne tendez pas la main, je suis désolée, on ne pourra pas vous aider. Moi, personnellement, je le dis toujours et je le répète, je vais conclure dessus, j'aurais aimé qu'on m'aide, qu'on me tende la main il y a 2 ans. Et je suis sûre que si on m'avait tendu la main au début, je pense que j'aurais été bien plus loin que maintenant. Il y a beaucoup de choses que il y a beaucoup de choses que j'ai pris du temps à apprendre. Il y a beaucoup, les informations que je communique, c'est beaucoup de choses que j'ai dû prendre du temps pour apprendre. Vous recherchez juste sur Facebook Entreprendre avec succès by Kaifra. Sur mon Facebook, hier, je l'ai publié, le groupe. Donc, vous faites juste une demande dedans et puis je vais vous rajouter dedans. Je vais vous rajouter dedans. Donc, n'hésitez vraiment pas. Venez écouter ce que les autres disent. Venez écouter l'expérience des autres. Et en fonction de ça, ça vous permettra d'avoir même des retours sur votre projet. Si vous avez des idées, vous voulez poser la question. J'ai une personne qui m'a posé la question l'autre jour. Qu'est-ce que vous pouvez recommander comme chose de domaine dans lequel il faut entreprendre en Côte d'Ivoire? Dans ce groupe-là, j'ai par exemple la renommée Brillante qui vient en Côte d'Ivoire. Donc, elle pourrait par exemple répondre à une question que moi je ne réponds pas parce que je ne connais pas l'écosystème ivoirien. Donc, il y a Moïse Kosono qui est dans mon Facebook qui entreprend et qui est le créateur de Campus Chat qui est en Côte d'Ivoire. J'ai parlé de la responsable de son start-up, j'ai parlé de Tibur Chafa qui est un de mes contacts qui est au Bénin et qui est le créateur du concept Maximisez-vous, Maximize Yourself. Donc, c'est les contacts que j'ai dans ces pays-là. Aujourd'hui, j'ai les contacts, Dieu merci, en Guinée, j'ai les contacts au Sénégal, j'ai les contacts au Mali. Donc, n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin pour que moi, je puisse fouiller parmi mes contacts et vous renvoyer vers la bonne personne qui saura répondre à votre problématique. Donc, voilà. Mais je vous demande juste de pouvoir me contacter. Je vous demande juste de faire le grand saut et d'oser me contacter. C'est tout ce que je vous demande. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère vraiment que ça a pu vous aider. J'espère vraiment que ça a pu être utile. Et je vous souhaite une excellente réussite pour ceux qui sont sur le point de se lancer.